Frère, sœur, bonjour. Son plaisir pour nous capables là ensemble avec vous matin qui c'est lundi 3 avril. Pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Nous invitons à baisser tête pour nous capables prier. Éternel Dieu, papa nous qui dans ciel là. Merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu parce que nous réveiller matin. Merci pour le souffle de vie que vous conservez dans nous. Alors que Seigneur, nous allons étudier parole pour capable imprégner nous de cet esprit. De manière à ce que nous puissions comprendre et mettre en pratique tout ce que vous voulez apprendre nous matin, Seigneur Dieu. Avec nous, dirigez-nous, nous ne pouvons pas dire, nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Pendant ce moment, nous avons étudié une leçon qui est vraiment intéressante. C'est la deuxième leçon, hein, qui est pour titre un moment décisif. Verset à mémoriser, nous venons dans Apocalypse 14, verset 14 et 15. Et pour jeudi lundi 3 avril, là, titre leçon, hein, c'est le retour du Fils de l'homme. Et bien, Apocalypse 14, il y a des textes clés de message dernier jour, un message pour dernier temps que bon Dieu lui-même l'a adressé à peuple et au monde entier. Au centre de tout message, ça y est, nous joignons le retour de Jésus et accomplissement de promesses qui dit comme ça. Et vous le verrez, le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Selon Marc 14, verset 62. Je vous demande de nous lire Apocalypse 14, verset 14. Eh bien, Texas fait partie de verset à mémoriser. Là, nous finissons, nous allons répondre à une question. Ça. Quel titre est utilisé pour décrire Jésus lors de son retour sur la terre? Qui titre qui est utilisé pour décrire Jésus lors de son retour sur terre? Et selon vous-même, pour qui ça, Jean, utilise titre ça pour Jésus? Eh bien, là, nous allons dans Apocalypse 14, verset 14, qui titre nous lié. En nous lit texte, il dit, je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Nous sommes capables de camper là. Eh bien, et Mounsa qui te semblait à un fils d'homme, il n'est pas l'autre monde que Jésus. Eh bien, mon fils de l'homme, non? Nous voyons que Jésus lui-même, c'est un terme que littéralement utilisé pour désigner tête-lui. Eh bien, on dit nous que, il y a 82 fois dans les évangiles, hein, que nous avons rencontré mon fils de l'homme. Et tout le temps, ça, que chaque fois que nous voyons, c'est Jésus-même qui a parlé de tête-lui en tant que fils de l'homme. Et on dit nous, c'est un titre préféré que Jésus t'a gagné. L'été utilisé le temps qu'on expression d'affection pour le capable identifier la nous-mêmes. Petit l'homme, non. C'est une façon pour le capable identifier la nous-mêmes pour montrer que notre mission sous terre n'est pas différent que nous-mêmes. Souvent, nous connaissons que Jésus dit qu'on relève nous frères. Hein? Nous connaissons que lui est lire nos frères, c'est pour montrer nous que et à travers mission li, c'est pour être capable venir prendre, pour être capable comprendre, pour être capable et mettre les mêmes potences avec nous pour capable comprendre. Nous avons un texte qui dit nous comme ça que Jésus pas et peur pour lui. Pour aller nous frères. OK? Eh bien, et texte ça et c'est une façon pour montrer nous que et c'est dans Hébreux 2 verset 11, son façon que pour montrer nous que Jésus lui-même sous terre c'est une proximité qu'il te gain à faire nous. Hébreux 2 verset 11 dit car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Eh bien, c'est ça que fait les têtes des fils de l'homme. Et nous-mêmes, pendant la soutien à l'itérer nous, frères, à la belle bagaille. Eh bien, c'est un sauveur qui comprend nous, qui te connaît tentation nous, qui te traverse épreuve nous. C'est fils de l'homme. Qui a retourné pour capable mener nous la caille qui compte la caille nous dans ciel là pendant 1000 ans après sur la terre restaurée pour l'éternité. Je dis nous lui qualifier pour capable racheter nous parce que il est devenu l'un d'entre nous. Et pourtant
comme l'un d'entre nous était affronté toute fureur tentation Satan et bien sûr il était victorieux. Qui je ne comprends ça, il vini une même gens avec. Ça c'est un aspect important pour nous garder. Eh bien nous gagnons la Trinité, nous gagnons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si nous comme ça le Fils il vini une même gens ensemble avec. Ça montre ce que ça nous doit comprendre là. Les Jésus a retourné, ça son mystère et ou capable toujours essayer faire commentaire mais même d'ab du comme ça pas essayer fouiller trop zone dans Kalalou mais ça pour comprendre là on dit nous comme ça les vinn mieux même gens ça avec nous c'est que là la pour retourner ou après maclouyo ça veut dire que quelque part là la vini nature ou capable à travers nature humaine non parce que ou après maclouyo et ça fait dire nous les vinn nous même gens avec nous. Pour l'éternité, c'est une attribution qui va jamais retirer à deuxième personne de la Trinité. Parce que, à travers les siècles et les siècles, nous sommes capables de toujours avec nous. C'est-à-dire, l'expérience que nous vivons, nous vivons parmi nous maintenant, eh bien, nous avons toujours été. C'est ça qui fait que nous sommes capables de nous. Nous avons des textes, nous disons comme ça, qui est ce texte après nous sur Jésus, sur le Fils de l'homme. Selon Matthieu 16, verset 27, nous invitons l'île. Il dit nous que Jésus, le Fils de l'homme, l'a vini dans sa gloire. Matthieu 24, verset 27 et 30. L'a vini pour séparer les brebis avec les boucs. Ça veut dire son jugement qu'a vini. Matthieu 25, verset 31 et 32. Le destin des nations et de toute l'humanité sera décidé pour l'éternité. Pensez au terme Fils de l'homme et à ce que l'il dit de l'humanité de Christ. Bien que Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ c'est Dieu, li vini youna parmi nous. Tout comme nous, même j'ai avec nous, mais contrairement à nous-mêmes, li pas jamais péché. Qui merveilleuse espérance ça offre nous, je dis à. Hein? En termes de connaissance de l'amour de Dieu pour nous. Hein? Pour nous connaître, que le comprendre, nous que le comprendre, lutte nous que le comprendre et tout man et qui j'ai capable nous la victoire. Yon bel bagay, oui ça y est. Nous gagnons un représentant à vie dans le gouvernement du ciel. Eh bien yon moun qui pas connaît on pas qu'à défendre. Yon moun qui par contre qui est souillé pas qu'à défendre. C'est ça qui fait que l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité de Jésus, l'est toujours été, selon ça, on dit non, dans le son qu'on étudie matin, hein? Même Jean, même s'il n'a ciel là, en tant que Dieu, parce qu'il fait partie de la Trinité, il est en tant que Dieu, mais en même temps, humanité, c'est-à-dire que, expérience que l'il vive en tant que yon être humain sous terre, l'est été tout. Pour qui ça? Parce que, c'est à travers ça que le capable représenter nous. Ça veut dire que y a un monde qui pas comprend nous, y a un monde qui pas vivre sans vivre pas qu'à représenter nous. Donc puisque Jésus était vive, ça nous vive, c'est ça fait que lui capable représenter nous. Ça veut dire que partie humaine en lui même là, c'est lui même qui capable comprendre nous, qui capable venir auprès du Père pour qu'il dise papa, mais pour qui ça frame ça péché. Papa, pas condamné sur ça non. Mais pour qui raison? Mais ça que fait, il fait tel bagaille. Il m'a demandé pardon, oui, papa. Eh bien, pardonnez-le. Ça veut dire que nous gagnons avocat auprès du Père. Là, on dit nous gagnons avocat auprès du Père. C'est un monde qui comprend nous. Si Jésus seulement le traitait en tant que Dieu, il était difficile pour le défendre nous. Parce que, pas oublier que, Dieu lui-même, il pas connaît le péché. Dieu, il a horreur du péché. C'est-à-dire que automatiquement péché c'est mourir pour mourir parce que son bagage qui vil c'est la désobéissance et bon Dieu lui-même il pas remet désobéissance mais là où gagnons être de la Trinité qui vient qui habite parmi nous qui capable comprendre nous et ben c'est ça qui fait nous gekak dit nous gon avocat auprès du Père c'est parce que il était venu il connaît nous et bien ça dit il prend propre nature nous il relait nous frères qui fait que il est capable de défendre nous. Frère, c'est un petit temps pour méditer sur ça, pour capable comprendre.
pour capable comprendre la dimension du ministère de Jésus dans le ciel en tant que souverain sacrificateur. Hein? Un texte qui est vraiment intéressant et bon regarder, bon chercher pour nous. Car il n'est pas entré. Va chercher texte là pour nous. Texte ça li vin nan tête moi matin m'a changé m'a chercher le rapide pour nous. C'est Hébreux 9 verset 24. Il dit car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Frères et sœurs, méditez sur texte ça. Hébreux 9 verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ça c'est belle bagaille. Frères et sœurs, c'est comme ça nous présentons le son matin. Ou bien un avocat auprès du Père qui a retourné. Eh bien, ou même ou gagné pour préparer ou. Eh bien, ou même ou gagné pour capable marcher en nouveauté de vie de manière à ce que ou capable là dans grand jour ça. Nous invitons à baisser tête pour nous prier. Éternel Dieu, nous disons merci pour grâce, nous disons merci pour l'amour. Merci parce que tu es avec nous. Alors que Seigneur Dieu nous étudie le son ça, aidez-nous pour nous mettre en pratique et que nous capable préparer nous en conséquence. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci parce que vous avez étudié ensemble avec nous matin. Nous invitons à partager le son. Partagez l'ensemble avec l'autre monde. De manière à ce que lui-même tout capable toucher de message ça. Que bon Dieu bénisse.